Alors, la phrase numéro 2, c'est 5,6 et 60 plus 5 centièmes. 60 plus 5 centièmes, c'est-à-dire 60 plus 0,05, c'est-à-dire 60,05. Où se trouve 60,05 dans le reste des pièces de domino? 60,05. Il nous manque la pièce 1, la pièce 3, la pièce 7, la pièce 8, la pièce 9. Où se trouve 60,05? Très bien, bravo. Jonathan, 60 plus 5 centièmes, c'est 60 plus 0,05, c'est 60,05. Donc la pièce numéro 9 va suivre. La pièce numéro 9, et on la met au travers. L'autre moitié de la pièce 7, c'est 651 millièmes. Bella, 651 millièmes. Sous la forme décimale avec la virgule, ça devient combien? Avec la virgule, oui. 0, virgule. Oh, yeah, 1. 0,651. Où se trouve 0,651 dans les pièces manquantes? On a la pièce 1 et la pièce 8. La pièce 8, 0,651, la voilà. On va placer la pièce 8. Nous allons arriver après la pièce 8. La pièce 8, on a dit combien? 0,65. This pen doesn't have any ink. Serious? La pièce 8. Whatever. I'm just gonna tell Freddy. Okay, so Freddy. Yeah, which one? Look. Alors. This pencil doesn't have. La pièce 8, c'est 0,651 et 56%. 56% c'est combien, Bella? Okay, c'est pencil. Yeah, it doesn't have any lead. It doesn't have any lead. Tu l'entends? 0,56, alors, c'est où 0,56 dans... Numéro 1, c'est quel. Yeah, 56 centièmes. Alors la pièce numéro 1 va venir à la fin après la pièce. Oh, but look, it doesn't have any lead. 56 centièmes, c'est la même chose que 56%, et la dernière partie c'est 60,05. En regardant la dernière pièce de domino sur la page 126, c'est 5,06. Il y a une différence ici.
60, le 5 centième, c'est 60,05. Oh, yeah. Alors, ça, ça c'est le cas d'équivalent de 5,06. Il y a une faute ici. Hein? On a utilisé déjà numéro 1. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lequel?